Il y a quelques temps, on a sorti une chronique sur la chaîne dans laquelle on vous expliquait que le marché de l'immobilier était en train de se retourner et peut-être même de commencer à s'effondrer. Dans ce contexte, on vous disait qu'acheter pouvait parfois, contrairement à ce qu'on entend habituellement, générer de grosses pertes. Et vous avez été très, très, très nombreux à nous demander de vous expliquer pourquoi et quand il est plus rentable de louer que d'acheter. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que sur cette question, les gros médias se payent nos têtes à un niveau parfois stupéfiant. Ce serait même drôle si ce n'était pas des mensonges graves qui sont susceptibles d'induire les gens à commettre des erreurs lourdes de conséquences qui peuvent parfois gâcher leur vie. Cette vidéo va être extrêmement importante. On a mis du temps à la sortir, car on a réalisé un outil spécial que vous allez pouvoir utiliser vous-même, afin de contrer cette propagande qui vous pousse à la dépense. Restez bien jusqu'à la fin, c'est parti Alors, ça semble un peu étrange de se demander s'il vaut mieux acheter ou louer. Bah, C'est qu'en fait, il y a une idée reçue dans nos têtes hein, qui consiste à ce que, bah, dans tous les cas, ce serait plus rentable d'acheter. Or, il y a plein de situations dans lesquelles ce n'est pas le cas. Et il est plus rentable de louer, comme on va le voir plus loin dans la vidéo. On peut donc se demander, mais pourquoi il y a cette idée reçue dans nos têtes En fait, il y a une propagande hein, extrêmement forte, hein, extrêmement fréquente des gros médias, qui vise à nous dire que, bah, il faut. Déjà devenir propriétaire, et qu'en plus ça tombe bien, c'est le bon moment, sortez vite le carnet de chèque, il faut investir. Alors vous me direz, propagande, bon, bah le mot est peut-être fort, ce sont peut-être que des faits qui sont mis en avant. Eh bien non, l'idée c'est que si le but du média est bien de vous inciter à faire quelque chose, c'est de la propagande, sinon ce serait de l'information. Alors pour illustrer notre propos et montrer qu'il y a bien une propagande, on a décidé de s'intéresser à un seul média sur une très longue période, donc on a pris le plus gros de l'époque, le parisien, et on s'est intéressé à sa présentation de la problématique immobilière. Retour en 2001, la bulle Internet vient d'éclater, il y a une crise économique. En conséquence, les taux d'intérêt commencent à baisser, ils étaient à 7-8 et jusqu'en 2022, ils n'ont pas cessé de diminuer. Au niveau des prix immobiliers, eh bien, ça faisait 5-6 ans qu'ils n'arrêtaient pas d'augmenter. et Avec la crise économique, bah, ils continuent à augmenter, mais beaucoup moins, de 2-3 par an. La réaction du Parisien est alors de nous dire que c'est le moment d'acheter. Le Parisien explique que c'est le moment d'acquérir l'habitation de ses rêves parce que les prix se sont assagis, que le coût du crédit immobilier est bas, très bas. 5,4%. Les notaires confirment cet environnement qui fait que bah, la période est plus que jamais propice à l'achat d'un toit. Alors, plus que jamais, sauf les quatre, cinq dernières années où c'était évidemment moins cher. 2002, bah, la crise touche à sa fin. Il y a toujours un gros coup de frein sur les prix immobiliers. Les taux poursuivent leur baisse. Eh bien, le Parisien se pose la question, ce qui est plutôt bien, de savoir si c'est le moment d'acheter. Donc, il la pose à la fédération des agents immobiliers, qui sont Optimiste, et oui, bah, c'est le bon moment pour acheter. On vous passe de 2003 à 2006, puisque les prix hein, ne faisaient qu'exploser. En 2007, hein, on commence à entendre parler de subprime, mais à ce moment-là, pour le parisien, bah, c'est encore le moment d'acheter. Pour toujours les mêmes raisons, les taux baissent, les prix augmentent moins vite, et on a demandé aux agents immobiliers, ils sont tout à fait d'accord, c'est le moment d'acheter. L'article rappelle d'ailleurs que pour financer votre rêve, il y a eu des réductions d'impôts massives payées par le contribuable. Comment réagit le journal face à l'orage hein, qui arrive des États-Unis avec les subprimes Il en parle, mais simplement sous la forme d'une Rumeurs insidieuses qui l'opposent à la vie optimiste des professionnels que sont les agents immobiliers. Pas facile de changer brutalement d'attitude quand on est allé jusqu'à inclure en dur dans la home page de son site internet une partie qui s'appelle Immobilier, c'est le moment d'acheter. 2008, l'orage est très proche. Le Parisien décide d'aller interviewer le coprésident de la forêt immobilier, agent immobilier. Il nous raconte que certes la situation va être un tout petit peu tendue pendant six mois, mais que Rendez-vous compte, il y a vraiment une aberration, certaines banques hein, disent à nos clients que c'est pas le moment d'acheter et bah cette posture est complètement Injustifié. Sacré banquier qui vient de retirer le pain de la bouche des agents immobiliers. On voit donc émerger une tendance. Finalement, le journal demande systématiquement leur avis à des professionnels de l'immobilier, mais malheureusement, ce sont des professionnels qui ont tous des conflits d'intérêts puisqu'ils sont rémunérés directement sur les ventes immobilières. Un notaire gagne 1% du prix de la vente, un agent immobilier à peu près 5%, le banquier va toucher les intérêts sur le crédit bancaire. Donc on voit qu'ils ont tous intérêt à vous dire d'acheter parce que si vous n'achetez pas, bah c'est de l'argent au moins pour eux. 2009, deuxième année de la crise des subprimes, deuxième année de baisse des prix immobiliers, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 ans. C'est intéressant de voir comment le média va réagir à ce changement profond du marché. Eh bien, janvier 2009, bonne nouvelle, c'est le moment d'acheter. Enfin, en tout cas, c'est l'avis des agents immobiliers qui sont interrogés et qui restent optimistes. Parce que clairement, de toute façon, être pessimiste quand on est agent immobilier, c'est une faute lourde. Alors pourquoi Eh bien, parce que les prix baissent puis les taux d'intérêt eux se détendent. Enfin, acheter va redevenir possible. Un société, on nous a jamais dit que c'était pas possible précédemment, puisqu'il comprend en 2008, c'était le moment d'acheter déjà. Mais bon, on a loupé quelque chose sans doute. Eh bien, bonne nouvelle, c'est aller très très vite pour redevenir possible, puisqu'à peine trois mois plus tard, et bien, croyez-le ou non, c'est le moment d'acheter. Pourquoi? Eh bien, même si ça semble contre-intuitif, c'est parce que les prix sont en forte chute. Et en effet, le rouge est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que d'habitude, on n'achète pas quelque chose qui est en train de se casser la figure. On attend d'être sûr que c'est arrivé au plus bas. Mais ici, bon, les agents immobiliers sont formels. C'est donc le moment d'acheter. Quoi qu'il en soit, on peut leur faire confiance puisque ils nous disent même qu'il faut vraiment en profiter avant qu'il ne soit trop tard. C'est un coup à laisser passer une bonne affaire. Ou est-ce que les prix continuent à chuter? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. À ce stade, on voit apparaître deux procédés manipulatoires assez classiques en vente. Et il est même assez étonnant de les trouver dans un journal grand public et non pas dans le journal des agents immobiliers. Le premier procédé vise à manipuler vos émotions positives sur le registre de la carotte. Vous allez réaliser votre rêve de devenir propriétaire. C'est la maison du bonheur. Le deuxième procédé vise à manipuler des émotions négatives, c'est le bâton. Il vous faut agir rapidement, sinon la bonne affaire va vous passer sous le nez. Ça va être trop tard. Les taux vont remonter. Les prix vont remonter. Fin 2009, pas de bol. Les Français, a priori, n'écoutent pas le Parisien et continuent à bouder le marché immobilier dont les ventes s'écroulent de 30 ce qui veut dire 30 de chiffre d'affaires en moins pour les professionnels de l'immobilier. Il faut donc y revenir et le Parisien nous ressort deux articles. Dans le premier article, le journaliste sort l'artillerie lourde. Tout y passe. C'est le moment d'acheter parce que la baisse des prix, la baisse des taux, les avantages fiscaux, votre rêve est à portée de main et d'ailleurs tous les experts interrogés sont unanimes. Ils n'en ont même pas trouvé un qui n'était pas d'accord. Dans le deuxième, pour être sûr, on va chercher un vrai expert, le patron du crédit foncier, donc qui finance les achats immobiliers, qui nous dit que oui, la période est très favorable pour acheter à cause du niveau des taux. 2010, gros coup de théâtre, les prix remontent fortement. Ce n'est plus le moment d'acheter, mais ben, en revanche, c'est le moment de devenir propriétaire. C'est un expert qui vous le dit, qui travaille d'ailleurs pour Meilleurtaux.com, qui est un courtier en crédit immobilier. Le journaliste utilise alors un procédé de plus en plus fréquent pour influencer l'opinion, qui est la publication de sondages. Ici, un qui a été commandé par SeLoger.com et qui indique que trois ménages sur quatre estiment que le moment est idéal pour devenir propriétaire. Alors dans ce processus, c'est un peu fou parce que finalement, on demande leur avis aux gens. Mais cet avis ne peuvent se le faire que d'une façon, finalement, bah, en lisant un journal. Et donc, on a le journal qui émet une information. Et puis après, qui publie un sondage, qui est allé interroger les gens qui ont lu le journal pour demander ce qu'ils pensent. Et, ah, surprise, ils pensent ce qu'a écrit le journal. Puisqu'ils ne peuvent pas penser autre chose, il y a quand même assez peu de Français qui sont allés faire un master en économie, spécialité immobilier. La ficelle est un peu grosse, et finalement, le journaliste se dit qu'il faut peut-être ne pas se limiter à interroger uniquement des professionnels de l'immobilier qui ne vivent que des transactions immobilières et diversifier les avis, ce qui est plutôt bien. Bon, il aurait pu interroger un économiste spécialisé de l'immobilier, hein, j'en connais bien, et ça fait très longtemps qu'ils expliquent qu'il y a une bulle et que c'est très dangereux d'acheter. Mais, non, il a préféré se tourner vers des vrais spécialistes. Hein, les gens qui savent, c'est ses lecteurs. Et donc le journal a vraiment demandé à ses lecteurs si c'était le bon moment pour acheter, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus passés par la case sondage. Et donc ils ont la chance d'avoir dans leur lectorat Marie D, 21 ans, étudiante à Paris 7e, des plus riches de Paris, qui confirme que oui, absolument, c'est le bon moment pour acheter, et qui explique que, eh bien, elle vient d'acheter un 44 mètres carrés dans le 15e, elle est toute contente à un prix très raisonnable, bon qui n'est pas indiqué, mais c'est forcément 4 ou 500 000 euros, et elle explique qu'elle a reçu une belle somme d'argent il y a quelque temps et que vraiment, s'imaginer... Ouais, s'imagine n'est pas qu'elle ait pu devenir propriétaire à 21 ans. Et il suffit de recevoir quelques centaines de milliers d'euros et puis la vie change. Fin 2010, les prix ont explosé plus 7% en une seule année. Et donc, le parisien interroge le président de Century 21, qui, retour aux sources, indique que bon, c'est le moment d'acheter. Parce que bien sûr, la pierre est une valeur refuge, quoi, et quand ça monte, hein, quand ça baisse, c'est juste que c'est le bon moment. Les taux d'intérêt continuent à baisser. Comme une information intéressante, il explique que bon, si les taux remontent, ne serait-ce que de 0,5%, ça va faire baisser le marché. Donc là, les taux, nous, ils ont pris 2% en quelques mois, donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer en 2023. Il indique aussi que les prix sont vraiment à la limite de ce que les gens peuvent acheter. Et bah, ça tombe bien, parce qu'il se trouve que quand même, en 2022, les prix sont 30% supérieur à ce qu'ils étaient en 2010, comme quoi il y avait encore un petit peu de marge. En 2011, excellente nouvelle, il y a des bonnes affaires en vue. Pourquoi Parce que c'est le moment d'acheter. Business as usual. Arrive 2012, qui ouvre une période de crise longue, puisque 2012, 2013, 2014, 2015, les prix baissent chaque année pas Beaucoup, mais il baisse. En 2012, le parisien nous rassure en allant interroger le PDG de Century 21, qui nous explique que les Français ont vraiment intérêt à acheter maintenant. Il se livre aussi à une confidence en nous expliquant que le marché purge les excès. Alors, c'est sans doute assez vrai, mais il est étonnant que les années précédentes, on nous ait jamais dit qu'il y avait des excès, parce que s'il y avait des excès, c'était clairement pas le moment d'acheter. 2013, la crise dure depuis un an, la machine à propagande s'intensifie donc. Toujours les mêmes arguments, hein, les taux d'intérêt sont historiquement bas, et la hausse est définitivement derrière nous, eh ben, un expert, hein, puisque les prix ont monté de 20%. 25% encore par la suite. La conclusion reste toujours la même et si c'était le bon moment pour acheter et eh bien tout plaide pour une réponse affirmative. Tout. On termine par le bâton attention l'argent ne restera peut-être pas aussi peu cher très longtemps, bon, ça aura quand même duré neuf ans. Un mois plus tard, petite piqûre de rappel, c'est le moment d'acheter ou tout du moins d'emprunter. Le taux est descendu à 3,16%. La situation est grave, elle ne s'améliore pas. Troisième article en six mois, en 2013. Si vous en avez les moyens, c'est le moment d'acheter parce que la tendance est à la baisse et tout cela est logique Puisque les prix étaient arrivés à un sommet, nous confie un notaire. Ça, c'est très intéressant. On voit que c'est vraiment la saison des aveux. Donc, on était vraiment à des sommets. C'était très cher, mais on a oublié de vous le dire puisque c'était le moment d'acheter. Maintenant, ils ont baissé, donc c'est le moment d'acheter. Fin 2013, la situation s'aggrave. Inexplicablement, les gens n'écoutent pas. Ils continuent à ne pas acheter. Donc, le marché baisse, baisse de plus en plus. Le journal va devoir déclencher le plan Orsay. Cette fois, on lâche tout. On envoie la une du journal pour être sûr que toute la France l'a lu. C'est le moment d'acheter. Il y a en ce moment des notaires qui ne peuvent plus acheter leur BMW. Eh bien, On voit comment marche la propagande. Quand ça va plutôt bien, eh bien une petite piqûre de rappel pour pas oublier d'acheter quand même votre 45 m2. Quand ça va mal, on va mobiliser les moyens. Il y en a de plus en plus jusqu'à la une du journal. Donc là, on voit que clairement, bah, ils ont tout donné. Donc, on peut se demander quelle était la situation, l'efficacité fin 2014. On va donc vous demander votre avis pour savoir qui veut dépenser des millions. D'après vous, est-ce que fin 2014, en France, c'est le moment d'acheter C'est vraiment le moment d'acheter C'est peut-être le moment d'acheter Ou c'est le moment de devenir propriétaire Réfléchissez bien, prenez votre temps. Et le marrant, les réfléchissez bien, prenez votre temps. Pas facile, hein Le moment d'acheter, c'est peut-être le moment d'acheter, c'est pas facile. Allez, je me lance. C'est le moment d'acheter. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Olivier. Vous avez donc choisi. La réponse, c'est le moment d'acheter. Eh bien non. Il fallait faire attention. Il y avait un piège. Le notaire vous explique que c'est peut-être le moment d'acheter. Le Journaliste a un petit peu bricolé la, la chose, mais bon, bref. <laughs> non mais ça va pas, non. Je n'aurai plus jamais un jeté, moi, je vous le dis. Ce notaire vous explique d'ailleurs qu'une fois propriétaire, eh bien, vous serez à l'abri des variations du marché. Alors, je suis un peu bête, hein, moi je pensais que pour être à l'abri des variations du marché, bah, le mieux c'était de ne pas rentrer dans le marché, Et donc par exemple de rester locataire, bon, lui il vous dit que vous êtes propriétaire, au moins vous êtes à l'abri. Enfin, tant que vous ne voulez pas revendre, hein, parce qu'évidemment si le marché se casse la figure, vous avez quelques petits problèmes, mais enfin bon, passons, après tout, il est notaire, c'est pas un spécialiste de gestion de patrimoine. Bon, le journaliste n'oublie pas de rappeler à la fin qu'il faut quand même faire vite, hein, parce qu'il y a quand même un manque d'offres, des pénuries, donc hop, euh, dépenser très vite vos 500 000 euros. Bon, ensuite, la propagande continue, hein, quelques jours après, en 2014, c'est encore évidemment le moment d'acheter, 2015 rebelote, c'est le moment d'acheter cette fois parce qu'il y a un fléchissement des prix. Et Donc oui, quand les prix fléchissent, c'est important, donc achetez rapidement. Quelques mois après, bon, c'est évidemment toujours le bon moment pour acheter, c'est d'ailleurs meilleuragent.com qui vous le dit, donc il y a quand même des gens qui ne sont pas intéressés, qui vous donnent vraiment des bons conseils. Été 2015, bon, je vous le donne en mille, c'est le moment d'acheter, toujours suivant meilleuragent.com, qui d'ailleurs vous précise que, n'hésitez pas, vous aurez sans doute une plus-value dans 10 à 15 ans. Bon, comme c'était en 2015, ça veut dire que la rentabilité vous la promet Peut-être en 2030, il bon, sera sans doute à la retraite. Hein, S'il y a un problème, vous essayerez de le retrouver. Puis en 2030, bon, on voit les problèmes de crise. Et puis avec les dirigeants qu'on a, il faut quand même espérer que le département ne soit pas transformé en parking quand même. En 2016, ici dans l'Oise, bah, c'est le moment d'acheter. C'est d'ailleurs confirmé par tous les notaires du département qui donnent le même conseil. C'est le moment d'acheter. Salut d'ailleurs le trait du journaliste. On a regardé il y a 149 notaires dans l'Oise. J'imagine ça fait quand même pas mal de jours à tous ces contactés pour vérifier qu'ils sont bien tous du même avis. 2017, bon bah les prix repartent à la hausse. Mais enfin il y a quand même plusieurs années de baisse à rattraper. Donc il faudrait quand même que la hausse s'accélère. Donc bah, logiquement, nouveau plan hors sec du Parisien. N'hésitez pas, le marché regorge encore de bonnes affaires. Faites vite, elles vont vous passer sous le nez. Finalement on se dit que ces journalistes doivent se sentir animés d'une mission de service public, quoi, qui, qui veulent aider les gens à devenir propriétaires. Dès qu'ils voient quelqu'un en difficulté sur le carreau, euh, bah, ils l'aident. En avril 2017, bon, bah, ils voilà, il tombent sur, euh, sur un cas assez, assez difficile, quoi, une personne brutalement expulsée euh, de son logement. Et donc, ils essayent de, de l'aider. Donc, ils ont envoyé, a priori, leur plus fin limier pour aller enquêter, pour découvrir que finalement, bah, contrairement à ce qu'on pensait, hein, le marché est super favorable en Corrèze. Bon, il a baissé de 6%, hein, ce n'est pas, pas, pas beaucoup, donc vraiment, bah, c'est clairement le moment d'acheter. Bon, ils en sont quand même essayés de nous faire croire qu'il faut vraiment... Acheter à Tulle, que vraiment le monde entier veut aller là-bas, même si la ville est très jolie. Euh, mais bon, il faut dire aussi qu'à ce moment-là, la ville est extrêmement décotée, puisque quand même, vous risquer évidemment de croiser tous les jours François Hollande sur place, bon, ce qui a quand même eu un impact sur le marché immobilier. 2018, les prix montent, les prix montent, et de nouveau, un bien bel article qui nous explique que cette fois, c'est. Vraiment le moment d'acheter, c'est-à-dire qu'avant c'était le moment d'acheter, mais en fait pas vraiment. Mais là c'est vraiment le moment d'acheter. Et d'ailleurs faites vite, il y a des conditions privilégiées. Je veux dire, si ça trouve, ils vont vous virer les privilèges là comme en 1789. Ne tardez pas. Et c'est pas pour rien, hein. c'est pour avoir la maison du bonheur. Sérieusement, vous refusez pas le bonheur quand même. On vous dit vous achetez, vous sortez les 500 000 euros et puis c'est bon, et le bonheur il est là. Alors là de nouveau on retrouve de temps en temps les confidences et on apprend que bah en fait le marché après avoir atteint des sommets délirants. A enfin continué à baisser. Alors c'est dommage, on nous a pas dit qu'on s'était en plein délire, hein, puisque vous avez vu, les années précédentes c'était plutôt le moment d'acheter, moi j'avais dit que c'était le moment de délirer, mais ça on le découvre toujours tardivement. Vous voyez, on vous dit toujours « Ah mais ben, en fait il y avait vraiment des problèmes, on avait juste oublié de vous le dire. » Le journaliste en profite d'ailleurs pour nous refaire le coup du sondage, mais cette fois en allant encore plus loin, puisque on voit qu'il nous explique que 68% des Français pensent que c'est le moment d'acheter, mais il rajoute en dépit de prix parfois irréalistes. Autrement dit, le journaliste est à deux doigts de nous dire, <laughs> quand même, ils sont vraiment idiots les gens, ils croient que c'est le moment d'acheter, alors que les prix sont irréalistes. Et donc il fait ça dans un article, dans le titre, et c'est vraiment le moment d'acheter. Donc, en dépit de prix parfois irréalistes. Et il faut savoir que ces prix... Était 20% inférieur au prix de 2022. Alors pour finir, on en arrive aux quatre dernières années qui sont marquées par des hausses importantes des prix immobiliers de 7-8% par an. Eh bien, on apprend en 2019 de façon assez étonnante que c'est le moment d'acheter. Alors après, en 2020, on se dit que ce qui s'est passé à l'époque, vous, vous rappelez confinement, tout ça, ça a dû avoir quelques conséquences. Mais en fait, en 2020, non non, l'expert le, immobilier vous dit que c'est le moment d'acheter. Petit problème, c'est quand même pas très facile d'acheter quand on est enfermé à la maison. Et donc en effet, le genre se pose la question, hein, reste à savoir comme si les clients sont prêts à acheter par le biais de visites virtuelles. C'est vrai hein, qu'on peut se demander s'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à dépenser 500 000 euros sans avoir visité le logement. Plutôt non, mais enfin c'est intéressant, ça montre ce qu'on pense des lecteurs. Septembre 2021, je vous rappelle, c'est le moment où on retrouve fort heureusement la liberté. Bien, la première question que se pose le journal, c'est vraiment est-ce que ce serait pas le moment de se lancer dans un achat immobilier Donc on a l'impression qu'on a vraiment affaire à des junkies. Là, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas pu avoir leur dose. Il faut vraiment, vraiment vite acheter. Et enfin, 2022, donc début du crash. Là, pour le coup, alors que les taux depuis 2001. Jusqu'à 2022, bah, ils avaient fortement baissé, ils ont fini à 1% les taux. Ils remontent très fortement en ce moment pour les euh, dossiers assez moyens, hein, c'est plutôt 3 à 4% le taux d'intérêt. Les choses changent considérablement, on voit que les capacités financières, comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo, vont vraiment s'effondrer. Euh, les euh, crédits immobiliers distribués chutent fortement. Eh bien, quelle question on se pose Quel diagnostic va réaliser le journal eh bien, il va vous dire, attention, il n'est pas trop tard pour acheter faites très vite. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, à ce prix-là, certainement. 2023, oui, 2023, c'est tout frais, hein, on regarde ça de près. Le marché s'est clairement cassé la figure fin 2022, mais malgré tout, alors là, quand même, il y a un petit changement. On vous dit que acheteur, c'est le moment de négocier le prix. Non, a priori, c'est jamais le moment de ne pas acheter, mais il nous informe au passage que euh, le rabais moyen a atteint 6% en 2022, probablement plutôt d'ailleurs fin 2022. Donc finalement, comme la dernière chronique a euh, 3, 4 mois, euh, eh bien, si vous nous avez écouté, vous avez gagné aussi 3, 4% euh, au passage. Donc, comme quoi c'est important de ne pas se précipiter, prendre le temps, réfléchir et bien s'informer. Février 2023, ben là, comme vraiment ça se voit, on ne peut plus le cacher. Et donc, le Parisien fait un article en expliquant qu'il y a une chute des prix à Paris et que cette chute d'ailleurs entraîne une chute des prix dans le reste de l'île de France. Mais attention, on va quand même demander l'avis aux professionnels, complètement indépendants, qui nous expliquent rassurez-vous, pas de sortie de route ni de décrochage en vue. Oui, il avait 6 de baisse en 2022 et évidemment ça risque fort d'être largement pire en 2023. Mais rassurez-vous, hein, c'est quand même peut-être encore le moment d'acheter. Alors c'est vrai qu'une telle série interroge sur le rôle du journalisme. On peut se demander finalement, mais c'est quoi leur intérêt de faire ça Parce qu'on n'est pas dans le journal des agents immobiliers, parce que dans ce cas-là, bon, ce serait bien normal d'avoir ce genre de propagande, dans un média national qui n'a pas spécialement d'intérêt à ce que vous achetiez ou ce que vous achetiez pas. Euh, d'ailleurs, peut-être que vous serez plus intéressé à acheter le journal si vous disiez « attention, il y a des dangers, réfléchissez bien ». On voit d'ailleurs que le choix du journaliste d'interroger systématiquement des acteurs du marché immobilier qui ont des conflits d'intérêts et jamais des économistes spécialisés, sur le marché immobilier, dont plusieurs vous disent attention, c'est dangereux, ça va baisser, ben, relève quand même d'une volonté de ne pas éclairer vraiment le choix des lecteurs. Alors finalement, on ne sait pas si c'est le bon moment d'acheter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours le bon moment de recevoir une commission. Ben, quitte à ce qu'en face, pour l'acheteur, eh ben, ce soit le moment de se faire arnaquer. On peut essayer de mieux comprendre un peu leur philosophie avec un autre exemple assez édifiant des articles qu'ils peuvent publier, non pas cette fois sur l'opportunité d'acheter, mais sur la méthodologie pour acheter et là vous avez un article dont le titre est Il ne faut pas trop hésiter quand un appartement vous plaît ce qui est assez sidérant parce que euh, si on n'hésite pas pour acheter un appartement euh, je ne sais pas pourquoi on hésite c'est à se demander si dans le journal ils ne seraient pas finalement tous propriétaires donc cet article est assez édifiant puisqu'on voit qu'on n'est pas trop sur le terrain de la raison mais plus de l'émotion euh, mais c'est assez intéressant de voir ce que les gens peuvent avoir dans la tête puisque l'exemple donc ça vient d'un cadre dans l'édition qui a 37 ans qui est euh, tout content parce que bah, c'était le bon moment d'acheter euh, j'imagine parce qu'il a lu ça dans le journal Il nous explique qu'avant bah, il payait un loyer peu élevé hein, de bon 820 euros charges comprises hein, c'est quand même presque un smic hein, pour une quarantaine de mètres carrés hein, c'est vraiment euh, royal hein. donc il a cherché à acheter il a vu que des choses hors de prix et comme il est super malin en fait il a fini par trouver un appartement à seulement 350 000 euros ce qui est donné de 45 mètres carrés et donc vous vous retrouvez au tiers de votre vie professionnelle finalement à avoir acheté un appartement de 45 mètres carrés pour, peut-être, lui, sa femme, ses, ses, enfants. On voit que c'est quand même des cages à lapins. Dans les 80, il y a des ouvriers qui s'achetaient des maisons Bouygues à 100 ou 150 mètres carrés avec des terrains. Bon, certes, c'est pas dans le centre de Paris, mais enfin, les conditions de vie ne sont quand même pas les mêmes. Bon, alors, on rigole, on rigole, c'est sûr, c'est assez édifiant. Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais enfin, finalement, ça fait 20 ans qu'ils disent que c'est le moment d'acheter, mais ça fait 20 ans que les prix montent et donc bon, chaque année, après tout, c'était plutôt un bon moment pour acheter. Alors certes, c'est pas faux, mais il faut voir aussi que ça n'a fait que monter parce que la propagande a alimenté la propagande. Ça a été très fort en France, ce phénomène. C'est surtout que ce qui se passe depuis 20 ans n'est absolument pas prédictif de ce qui va se passer dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent. Et par ailleurs, si ça fait 25 ans que c'est le bon moment pour acheter... Bah ça fait 25 ans que c'est pas le bon moment pour vendre les intérêts du vendeur et de l'acheteur sont contraires Alors si les prix vont monter on peut peut-être acheter mais il faut surtout pas vendre parce que vous êtes en train de perdre votre plus-value on voit donc que dans tous les cas le marché est vraiment très déséquilibré mais là ce qui nous intéresse aujourd'hui bon la guerre c'est pas tant le passé c'est le futur et ça comme on vous l'a montré et d'ailleurs comme ça a été dit dans pratiquement chaque article la baisse des taux a soutenu cette forte hausse puisque chaque fois que les taux baissaient, ça donnait plus de capacité d'emprunt aux emprunteurs et donc plus de capacité à acheter plus cher. On a d'ailleurs expliqué tout ça en détail dans la vidéo précédente sur laquelle je vous renvoie. 2022, ça va rester dans l'histoire comme le retour de l'inflation et le retour de l'inflation a forcément un impact très fort sur les taux d'intérêt. Comme on le voit sur ce graphique, les hausses de taux sont impressionnantes sur les emprunts immobiliers et au maximum constaté actuellement se rapproche de 4%, c'est le niveau de 2014-2015. Cette hausse des taux est en train de supprimer toute la capacité d'achat qui a soutenu la croissance des 7-8 dernières années. Les ventes sont en train de baisser fortement, comme on l'a également vu. Et à nouveau, le Parisien va sortir la machine à propagande pour nous expliquer que si, 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 il faut quand même acheter, il faut quand même acheter. On a eu l'exemple tout à l'heure sur 2022, mais fin 2022, comme la situation commence à devenir très très mauvaise, eh bien, on a un nouvel article totalement édifiant que vous avez peut-être vu passer. Dans celui-ci, on nous explique comment Christelle, institutrice, est devenue propriétaire de 23 logements. Et en plus... On voit que la loi est drôlement bien faite parce que quand vous êtes propriétaire de 23 logements que vous louez et que vous êtes en train de rembourser, eh bien vous ne payez même plus d'impôts sur le revenu. C'est quand même magique. J'en profite pour vous rappeler un fait qui n'est pas très connu. La moitié des logements en location en France sont détenus par 4% des ménages, bah, dont fait hein, évidemment partie Christelle, désormais. Donc on a vraiment l'impression que l'idée, c'est de dire derrière « Bon bah ça va pas, t'es au chômage, t'es en difficulté, tu gagnes pas bien ta vie, t'as des problèmes, eh quand même bouge-toi vieux, va acheter 23 logements, va demander le banquier, je pense qu'il va pas de problème à te filer plusieurs millions d'euros pour ça. » Et enfin, tu vas atteindre un vrai niveau capitaliste. Et peut-être même que tu vas arrêter de payer des impôts. Magique Revenons à l'objet initial de cette vidéo qui était est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer. Quelles sont les grandes raisons qui font qu'il n'est pas toujours plus rentable d'acheter que de louer Elles tiennent en deux grandes catégories. La première, une catégorie qui est plutôt aléatoire, et la deuxième, une catégorie plutôt certaine. Je m'explique. La première, qui est d'ailleurs peut-être la principale, comme vous achetez un bien immobilier, eh bien ça va beaucoup dépendre de l'évolution des prix immobiliers dans les années à venir. Alors en France, ça fait 20-25 ans que les prix ne font que monter, hein, avec quelques petites baisses très vite compensées, mais tout ceci n'est absolument pas prédictif de ce qui va se passer dans l'avenir. Et au contraire, ça a tellement monté qu'on se dit que ça risque de baisser assez fortement. Bon après, je ne vois pas l'avenir, je n'en sais rien, peut-être que ça montera encore un tout petit peu. Je veux juste vous alerter en disant non, non, c'est pas certain que ça puisse monter. Alors, il m'a semblé intéressant justement de vous montrer un graphique avec des évolutions survenues dans d'autres pays, pour montrer qu'il n'y a pas toujours des cas où les prix montent et puis Bon, ça fluctue. Ces prix qui ont monté, ils peuvent tout à fait baisser fortement. Alors, c'est survenu aux États-Unis après la crise des subprimes. Les États-Unis ne sont pas revenus euh, au niveau du pic. Euh, pareil en Espagne, pareil en Irlande, pareil à Chypre. On voit que le cas de la France est assez particulier avec cette très forte hausse et puis cette relative stabilité avant une nouvelle hausse. En plus, ici, je vous parle de pays, mais à l'intérieur du pays, il peut y avoir des changements importants. Euh, il y a des endroits aux États-Unis où les prix ont fortement augmenté après la première bulle. Mais il y a d'autres villes, regardez ici, bah, ou non, ça n'est pas survenu de la même façon, si vous regardez à Chicago, à Las Vegas, à Cleveland, bon, à Los Angeles, qui a certes a fini par re retrouver son niveau, mais au bout de 10-15 ans. Mais le problème au final, c'est pas de se dire « Bon, j'ai acheté haut, ça a baissé, et puis bon, finalement, au bout d'un certain temps, ça remonte. Alors bon, un certain temps, si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est un peu ennuyeux, mais peut-être que ça remonte. La difficulté, c'est que quand vous achetez le bien, vous ne le gardez pas forcément 20 ans. En 2006, les gens qui ont acheté un appartement l'ont gardé en moyenne à peine 6 ans. En 2017, vu que les prix ont monté et les charges ont monté, on est plutôt à 9, à 10 ans. Alors l'agent immobilier qui vous promet une plus-value à 15 ans, ouais, ouais bon, peut-être, mais ça ne va pas concerner la majorité des acheteurs. On va voir un peu plus tard dans l'outil à quel point hein, ce critère de l'évolution des prix est très important sur la rentabilité. Mais passons au deuxième point. Donc, le deuxième point, bah, c'est une différence de coût entre l'achat et la location qui, elle, est certaine, elle est connue d'avance. Et donc, si d'un côté tout le monde se dit, bah, évidemment, quand j'arrête d'être locataire, bah, bah, j'arrête de perdre de l'argent que je donnais au propriétaire, certes, quand vous devenez propriétaire, bah, vous allez perdre aussi de l'argent que vous ne donniez pas forcément quand vous étiez locataire. Je m'explique. Le premier poste de différence qui peut être très important, bah c'est tout simplement les intérêts que vous allez donner aux banquiers si vous prenez un crédit immobilier. Alors, avec la forte baisse des taux qui est survenue depuis 20 ans, ce coût, cette charge d'intérêt était devenue relativement faible. Mais comme l'inflation entraîne une augmentation des taux d'intérêt, eh bien on voit qu'on revient à des taux de 3-4%, qu'on va peut-être aller vers du 5-6%, c'est 7% aux États-Unis actuellement, qui sont des taux très élevés, mais enfin qu'on a tout à fait connus dans les années 1995, 2000, encore 2005. Et ça, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement d'un emprunt immobilier, c'est que vous payez des intérêts tous les ans sur le capital que vous devez à la banque. Alors au début, ce que vous devez à la banque, c'est le montant emprunté. Mais en fait, comme vous payez à la banque plus que les seuls intérêts, tous les ans, bah, vous diminuez la somme que vous devez à la banque. Regardons sur un graphique pour un peu mieux comprendre. On vous propose ici une visualisation de ce qui se passe pour rembourser un crédit de 250 000 euros sur 25 ans. Donc, à gauche, c'est ce qui se passe quand on a des taux d'intérêt de seulement 1%. Donc, on voit en bleu, c'est la charge d'intérêt que vous versez. En fait, elle n'est pas très importante. Je vous qu'à 1%, c'est quasiment un dollar. Mais par contre, à droite, s'il y a des taux d'intérêt de 6%, on voit que les premières années de remboursement du crédit, eh bien, vous avez 70-80% de tout ce que vous remboursez à la banque tous les mois, qui sert uniquement aux intérêts, en fait, qui n'est pas du tout de l'argent. Que vous mettez de côté. Ce que vous mettez de côté, c'est la différence, c'est la petite partie orange. Et puis au fil des années, la charge d'intérêt baisse de plus en plus, et puis à la fin du crédit, vous êtes uniquement en train de faire quelque part des économies. Donc on voit que si vous avez gardé l'appartement que 4 ans, 5 ans, finalement, vous avez payé beaucoup, beaucoup d'intérêts et finalement, vous avez mis assez peu de côté. Deuxième point, qui est encore beaucoup plus simple et manifeste que le cas précédent, c'est tout simplement que quand vous achetez un logement, vous payez des taxes, vous avez des charges qui sont complètement perdues immédiatement. Le premier, c'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Alors il y a le mot notaire dedans, c'est vrai que ça sert à payer le notaire, mais enfin il prend à peu près 1% du montant de la vente. Mais vous allez avoir 6-7% en plus qui est en fait une taxe. Uniquement, vous payez des impôts volontairement à l'État. On voit que la somme des deux, ça fait déjà à peu près 8% en moyenne du coût d'achat, puis vous rajoutez des problèmes de caution, des frais divers et variés, frais de dossier. Vous avez peut-être déjà 10% du prix du logement qui est perdu. Donc vous avez un logement à 200 000 euros, vous dites je l'achète, il faut payer déjà 220 000 pour payer les taxes, le notaire, etc., etc. Mais vous avez dépensé 220 000, vous avez un bien que de 200 000. Donc si vous devez le revendre, en fait, vous avez perdu 20 000 euros en un an, par exemple. Il y a un deuxième point qui est un peu plus caché, on le voit pas forcément dans le prix d'achat, mais il est vraiment dedans, c'est tout simplement les frais de l'agence. Frais d'agence, peuvent être autour de 5%. Donc là pour le coup vous avez bien acheté 200 000 euros mais ne vous dites pas ⁇ Ah mais ça va j'ai un bien de 200 000 euros ⁇ En fait ce bien-là il vaut pas 200 000 euros parce que quand vous devez repayer une agence et quand vous le revendez, l'agence vous prend 5% de ces 200 000 euros. Donc ils sont aussi perdus pour vous. Donc au total 10 plus 5 vous êtes déjà à peut-être 15%. Qui est perdu si vous devez revendre rapidement votre logement. Il y a une autre catégorie qui cette fois sont pas des frais à l'achat mais c'est des frais au long cours. Alors bon, bah, qu'on connaît évidemment. Vous allez devoir payer une taxe foncière. Donc c'est la taxe que doit payer tout propriétaire d'un logement et qui est de plus en plus importante puisqu'en fait il y a une partie de la taxe d'habitation qui se retrouve transposée de facto sur cette euh, taxe foncière qui augmente très fortement. La deuxième, un bon, peu plus limiter, c'est ce qu'on appelle les charges non locatives. Vous êtes locataire, vous payez des charges. Mais si vous êtes le propriétaire qui habite dans l'appartement, vous payez plus de charges, parce qu'il y a une partie des charges que le propriétaire paye même quand l'appartement est en location et qui ne refacture pas au locataire. Donc, ça vous coûte peut-être 20, 25% de plus en termes de charges. Enfin, peuvent survenir des gros travaux, s'il y a un ravalement de façade. Euh, si vous êtes dans une copropriété avec un chauffage au gaz, bah, en ce moment, vous allez vraiment vous dire qu'il faut vraiment changer la chaudière au prix que ça coûte. Et donc, c'est encore de l'argent qu'il va falloir sortir. Cette fois, c'est des sommes très importantes, mais qu'on ne sort pas très très souvent. Mais pas de bol, bah, voilà, si il y a un ravalement en an après avoir acheté l'appartement, bah, ça va être une somme importante à sortir encore. Il y a un autre point qu'on va expliquer un peu plus en détail quand on va vous présenter l'outil. Enfin, il faut simplement se dire que si vous louez actuellement un logement, disons 800 euros par mois, et que vous voulez acheter le même, par exemple sur le palier d'en face, bon, c'est le même, même surface, même endroit, vous allez faire un crédit. Malcrédit ne va pas vous coûter 800 euros par mois. Vous n'arriverez pas hein, parce qu'en fait, il y a une différence au niveau de la rentabilité locative qui fait que faudra peut-être euh, emprunter de l'argent et rembourser 1000, 1200 euros par mois. Donc il y a une différence entre ce que vous payez en termes de locataire, ce que vous payez en termes de propriétaire pour acheter ce logement. Bon, ne vous inquiétez pas, ça semble un peu compliqué, mais on va le voir tout de suite parce qu'on va vous présenter l'application qu'on a développée pour vous. Alors on voit qu'on peut pas avoir confiance dans les gros médias sur ces sujets-là, et on s'est dit que vous alertez avec une vidéo, bon bah c'était pas mal, mais que le mieux était de réaliser un petit outil très simple et pratique d'utilisation. Comme ça, vous pourrez le tester en fonction de votre situation personnelle pour comprendre quand est-ce que c'est plus rentable d'acheter et de louer. Cet outil est disponible sur le site élucide, on vous a mis le lien en description. Comme ça, vous pourrez le tester et l'utiliser très facilement. Bien sûr, vous allez pouvoir l'utiliser, l'adapter à votre situation personnelle. Enfin, si vous voulez juste comprendre comment tout ça marche en général, et bien on va vous expliquer ça dans la suite de la vidéo. Cela va permettre d'illustrer cette D'acheter ou de louer de façon assez simple. Alors, après avoir cliqué sur le lien en description, vous arrivez donc sur cette page du site Elucide avec notre simulateur Acheter ou louer. Cette application comprend deux grandes fonctionnalités pour comparer est-ce qu'il vaut mieux acheter ou est-ce qu'il vaut mieux louer. Dans la première hypothèse, on considère que le logement est fixé et donc on va se demander si pour un logement donné il vaut mieux l'acheter ou il vaut mieux le louer. C'est celui qui permet finalement le mieux de répondre en théorie à la question est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer un même logement. Dans la deuxième fonctionnalité, on va raisonner différemment. On va considérer que cette fois ce n'est plus le logement qui est fixé, mais c'est le budget mensuel qui est fixé. En pratique, c'est cette fonctionnalité qui devrait le plus vous intéresser si vous réfléchissez justement concrètement à acheter ou louer. Vous allez pouvoir venir sur le site et indiquer les éléments financiers qui correspondent à votre situation. Mais commençons par la première fonctionnalité qui permet le mieux de répondre à la question est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer un même logement Pour ça, mais on va prendre quelques exemples réels qu'on a trouvés sur des sites immobiliers. Et le premier, c'est un exemple d'un studio à Strasbourg d'à peu près 23 mètres carrés. Donc on a regardé dans la même rue, et eh bien vous en avez un qui est en vente à 131 000 euros et un qui est en location à 519 euros, charges comprises. Donc dans cette option, eh bien, on rentre en effet le montant du loyer, les charges locatives, et concernant l'achat, eh le prix du logement à l'achat, l'apport personnel éventuel. Il faut indiquer les caractéristiques du crédit immobilier. Pour toutes nos simulations, on considéra qu'on a un crédit de 25 ans au taux de 3,5%, avec une assurance de 0,25 Une fois toutes ces informations rentrées, eh bien, il suffit d'aller en bas de la page et on voit apparaître un graphique qui résume la situation. Pour cet exemple, on constate qu'il faut attendre 15 ans pour qu'il soit plus rentable d'acheter que de louer. Cela signifie que si on achète un appartement et qu'on le revend au bout de 3 ans, 5 ans, 8 ans, eh bien en fait, on a perdu de l'argent par rapport à la situation où on serait resté locataire pendant cette période-là. Alors pourquoi faut-il autant de temps pour que l'achat devienne rentable eh bien, c'est ce qu'on a expliqué précédemment dans cette vidéo et qu'on voit dans notre simulateur sur la partie paramètres avancés, eh bien parce qu'il y a des frais d'agence à payer, une assurance caution, il y a les frais de notaire, sont presque 8 vous avez des pénalités aussi en cas de remboursement anticipé, les histoires de gros travaux, les frais, la taxe foncière qu'il va falloir payer alors qu'on ne la payait pas quand on était locataire, les travaux annuels qui sont à la charge du propriétaire, ainsi que les charges mensuel qui reste aussi à la charge du propriétaire. Enfin, si vous voulez avoir les détails du calcul, il faut aller sur la partie résultats. Où vous avez un tableau de synthèse qui vous présente le détail. Deuxième exemple, partons à Rennes pour comparer un appartement de deux pièces de 43 mètres carrés. Pareil, dans le même pâté de maison, et eh bien vous en avez un à pratiquement 200 000 euros et un qui est en location à plus de 600 euros par mois. On peut recommencer la simulation et là, on constate qu'il faut attendre 20 ans pour qu'il soit plus rentable d'acheter que de louer. D'ailleurs, on constate que la différence, même au fil du temps, n'est pas très très forte. Petite explication complémentaire importante ici, on a vu qu'on est dans une hypothèse où on s'intéresse au même logement. Mais comme on l'a dit également précédemment, on ne peut pas acheter le même logement avec le même budget mensuel qui était consacré à la location. Donc, Dans cet exemple, on voit qu'on a un loyer, charge comprise, d'un peu plus de 600 euros par mois. Mais pour arriver à faire cette opération, il faut rajouter une épargne mensuelle. De 700 euros par mois. Donc il faut mettre plus du double du loyer précédent pour arriver à acheter ce logement. Et dans notre simulation, on considère qu'évidemment, cette épargne est capitalisée et donc elle permet d'enrichir le locataire. Dernier exemple, on ne se refuse rien, donc on va à Paris, dans le 16e arrondissement, pour comparer l'achat et la location dans trois pièces de 78 mètres carrés. Alors cette fois, c'est 850 000 euros qu'il faut sortir ou 2340 euros par mois. On se rend compte que cette fois, il faut attendre 11 ans pour qu'il soit plus rentable d'acheter que de louer. Mais là encore, comme à chaque fois, on ne peut pas acheter ce logement avec un budget de 2400 euros par mois qui était celui à consacré à la location. Il faut rajouter 2600 euros de plus tous les mois pour arriver à le faire. Donc on est presque à 5000 euros par mois pour arriver à acheter ce logement en 25 ans. On se rend compte finalement que le budget pour acheter est conséquent et induit beaucoup d'hypothèses pour la rentabilité financière de cet investissement. Et ça dans le simulateur, vous avez une partie dont je vous ai pas encore parlé qui s'appelle l'environnement économique qui comprend différents paramètres comme l'évolution des charges ou la taxe foncière mais il y en a deux qui sont très très importants, c'est quel est le taux de rémunération de l'épargne et surtout quelle va être l'évolution des prix immobiliers. Et pour correspondre un peu plus à la réalité, eh bien on prend une hypothèse d'évolution les cinq premières années, puis entre 6 et 10 ans, et puis après 10 ans. Puisqu'évidemment, comme on achète un logement très très cher, eh l'évolution des prix de l'immobilier va fortement impacter la rentabilité de cet achat. Donc jusqu'à présent, on a gardé les chiffres que vous voyez à l'écran en termes de, de rémunération, de façon à pouvoir comparer les hypothèses. Mais là, ce qui va être très intéressant, c'est dans notre exemple, prenons celui de Paris, puisqu'on vient de le voir, on se rend compte que la rentabilité est très sensible à ces paramètres qui semblent finalement assez simple, mais qui sont évidemment totalement inconnus on ne sait pas de combien vont évoluer les prix dans les 5 ou dans les 15 ans qui viennent regardons ce qui se passe si on s'intéresse simplement à la rémunération de l'épargne dans notre hypothèse donc on a pris un taux de rémunération moyen de 3% donc ça nous donne une rentabilité en une dizaine d'années si on passe à 4%, bon, on se rend compte que ça vous rajoute deux ou trois ans de plus pour que ce soit rentable. Finalement, on se dit ça change pas beaucoup. Par contre, si on passe de 4% à 5%, eh bien, on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'assez fort qui fait que bah, dans ce cas-là, ce n'est jamais rentable d'acheter, c'est toujours plus rentable de louer uniquement parce qu'on a changé la rémunération de l'épargne de 2 ou 3 Revenons à l'hypothèse précédente euh, et donc on a considéré que les prix de l'immobilier étaient de façon constante pendant toute la durée hein, du prêt donc pendant 25 ans une augmentation de 3 par an. c'est une hypothèse qu'on a voulu relativement stable, mais enfin elle n'est quand même pas très crédible hein, vu le niveau hein, de prix auquel on est arrivé et surtout du retournement du marché immobilier dont on vous a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc imaginons déjà rien que dans les cinq prochaines années qu'on ait plus 3 de hausse chaque année mais 3 de baisse ce qui est extrêmement limité puisque euh, on a eu des années où il y avait 8 de hausse donc 3 de baisse pendant 5 ans ça fait euh, finalement un rattrapage de juste deux ou trois années de hausse Eh bien ce simple Paramètres euh, modifie la rentabilité. Cette fois, il ne faut plus une dizaine d'années pour rentabiliser, il faut plus de 25 années. Si cette fois, on prend une baisse plus faible mais plus longue, donc on considère que pendant 10 ans, les prix baissent de 2% par an, donc ça va faire à peu près 25% de baisse euh, au bout d'une dizaine d'années, bien on voit que là aussi, il faut une trentaine d'années pour rentabiliser l'achat immobilier. Alors vous allez me dire, mais finalement, on vous propose un simulateur qui est euh, extrêmement précis mais qui dépend d'hypothèses qu'on ne connaît pas et une petite modification de l'hypothèse va changer considérablement le résultat oui euh, mais ça c'est euh, hélas la réalité des, des investissements immobiliers surtout dans un contexte comme aujourd'hui où on est en haut d'une bulle et on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les 5 10 15 ans qui viennent l'idée est aussi d'attirer votre attention sur le fait que non c'est pas forcément une façon évidente plus rentable d'acheter que de louer que ça dépend de paramètres financiers qu'on ne maîtrise pas de combien va être rémunéré l'épargne dans les années qui viennent on n'en sait rien de combien va augmenter les prix immobilier, on n'en sait rien. On voit que tout ça, ça met une énorme incertitude sur la rentabilité financière de ce qui va être probablement l'achat le, le plus important de la vie d'une personne. Comme on l'a indiqué, on peut également utiliser notre simulateur dans une optique différente, celle d'un locataire qui se demande s'il faudrait acheter et à partir de quand ça deviendrait rentable. L'utilisation de notre simulateur est très proche de la précédente. Donc on va repartir de nos exemples précédents. On voit qu'il suffit ici de rentrer dans la partie location eh bien, le montant du loyer et le montant des charges de copropriété, la surface qui est louée et dans une optique d'achat, eh quel serait le montant de l'apport personnel et quel serait le prix du mètre carré à l'achat. Les conditions du crédit sont inchangées. On a toujours notre crédit sur 25 ans au taux de 3,5%. Dans cette hypothèse-là, on considère que le budget est fixé, donc ça va être le budget qu'on mettait précédemment dans l'allocation, et donc on se demande ce qu'on peut acheter et au bout de combien de temps cela devient rentable. Si on reprend le cas de notre studio de 23 mètres carrés à Strasbourg et qu'on entre les données dans notre simulateur, on voit cette fois que la rentabilité de l'achat est beaucoup plus rapide. Ici, donc, il faut à peu près 4 à 5 ans pour que ce soit rentable. Mais évidemment, ce n'est pas miraculeux. Le fait que ce soit rentable plus rapidement est lié au fait qu'avec les conditions financières qu'on a définies, cette fois, on ne peut plus acheter un 23 mètres carrés mais seulement un 10 mètres carrés à Strasbourg. Simplement, comme le budget est fixé, eh bien, euh, ça veut dire que euh, généralement, on va euh, pouvoir acheter une surface plus petite. Et en tout cas, ça, ça va être déterminé par le prix au mètre carré qu'on indique dans le simulateur. Comme on raisonne de façon générale, il n'est pas forcément très intéressant de se demander si c'est plus rentable de louer un 60 m2 dans le centre de Lyon ou d'acheter une 80 m2 au fin fond du massif central. Parce que c'est vraiment des choses très différentes. Alors, ça peut correspondre à la réalité. Vous pouvez le faire dans notre simulateur. Ici, bon, voilà, pour raisonner sur cet arbitrage entre achat et location, on va quand même considérer qu'on regarde l'opération au même endroit pour avoir le même prix au mètre carré. Donc en conclusion, quand cette fois on a un budget qui est limité, eh bien c'est un peu plus rapide d'amortir son achat, enfin il faut quand même 4-5 ans, mais évidemment on n'achète plus du tout le même logement, et le logement il est deux fois plus petit. Dernier exemple, le 78 mètres carrés à Paris, pareil, ça amortit en 4 ans en théorie, mais dans notre hypothèse, eh bien on passe de 78 mètres carrés à 36 mètres carrés. Donc on voit que les conséquences du passage... À l'achat se font lourdement sentir sur la surface qu'on peut occuper. Petite option qu'on a rajoutée dans notre simulateur. Dans ce qu'on vous a montré, on a considéré que cette fois le budget était strictement identique entre l'achat et la location. On a quand même mis un cas un peu intermédiaire puisque dans la case que vous voyez qui s'appelle épargne mensuelle disponible pour l'achat, on peut rajouter une petite épargne qu'on considère disponible qui permet d'acheter finalement un peu plus grand et qui correspond relativement plus à la réalité. Mais évidemment, contrairement au premier cas, on ne va pas doubler. Euh, le montant de son loyer, on peut... Par exemple, dans notre hypothèse, rajouter 500 euros par mois euh, au loyer de 2100 euros euh, qu'on payait précédemment pour louer le logement à Paris, on voit que quand on fait ça, on peut disposer d'un 43 m2 euh, au lieu d'un 36 m2, comme on l'a vu. Enfin, ça reste quand même très euh, inférieur aux 78 m2 qu'on avait en location. Enfin, de nouveau, insistons sur la sensibilité de tous ces calculs hein, aux hypothèses financières. Jusqu'à présent, bah, je vous ai montré ce qui se passait avec euh, une hypothèse très optimiste de 3% de hausse des prix. Continue pendant 25 ans de l'immobilier. Si on s'amuse à regarder ce qui se passe si on a une baisse de 5% de l'immobilier chaque année pendant 5 ans, ce qui ferait donc presque 30% de baisse, ce qui est tout à fait envisageable, suivi de 5 ans avec à peu près 0% de croissance des prix, puis 2% de hausse ensuite, eh bien on voit que ça change considérablement les choses et que même dans ces hypothèses plus favorables, il faut quand même 15 années pour que ce soit plus rentable d'acheter que de louer. Alors le tout toujours avec une épargne qui rapporte 3%, mais si l'inflation se développe, imaginons que l'épargne eh euh, se rapproche de 6% comme ça c'était dans les années... 90 2000 et là c'est 25 ans pour que ce soit rentable. Donc de nouveau, j'insiste bien là-dessus, on voit que euh, le choix d'investir dans l'immobilier a une rentabilité qui dépend de façon extrêmement forte de l'environnement financier, tant au niveau de la rémunération de l'épargne que de l'évolution des prix de l'immobilier. Il faut faire très attention, on sort d'une période où depuis 25 ans les prix de l'immobilier ont augmenté, tout le monde se dit c'est très rentable d'acheter. Oui, bah c'était très rentable d'acheter dans le passé, ça ne présume pas du tout de ce qui se passe sur un achat immobilier en 2022, en 2023, en 2024. Et bien voilà, on est très heureux les premiers à vous proposer un outil réellement indépendant pour vous aider à faire les bons choix. N'hésitez donc pas à l'utiliser, que ce soit pour vous ou pour vos proches, vos amis qui pourraient se poser ce genre de questions dans un environnement de plus en plus incertain en fonction de la crise qui se développe. Comme on le voit, contrairement à ce qu'on nous matraque régulièrement, eh bien, il n'y a pas vraiment de bon moment pour acheter. Ça dépend de beaucoup de paramètres, de beaucoup d'hypothèses et surtout, eh bien évidemment, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ça va dépendre aussi du parcours de vie de chacun, de ce qui pourra arriver en termes de mutation professionnelle, d'arrivée d'enfants, de divorce éventuel qui oblige à revendre beaucoup plus tôt que prévu avant même d'avoir amorti. Et Éventuellement son achat immobilier. Il faut donc être extrêmement vigilant. Voilà, donc comme vous voyez, déjà avec cette présentation, on comprend un peu mieux ce qui se passe et si vous allez sur le site des Lucides, et ben vous allez pouvoir le tester avec votre situation personnelle. En tout cas, on remercie tous les abonnés des Lucides puisque c'est grâce à vous qu'on a réussi à développer cette petite appli. En définitive, on voit que les choses sont quand même plus complexes que ce qu'on nous racontait sur cette histoire de c'est le moment d'acheter ou ben, c'est toujours bien d'acheter. Et d'une façon générale, c'est peut-être bien de revenir sur cette histoire du rêve de devenir propriétaire. Alors c'est sûr que si on peut le devenir et que ça se passe bien, tant mieux, évidemment. Mais de notre côté, si on est locataire, c'est pas non plus un drame. Déjà, ça peut être plus intéressant financièrement. Puis, ça peut vous donner une liberté. Parce que vous êtes locataire, vous êtes muté, bon, ben, en un mois ou trois, vous êtes parti. Si ça se trouve, vous êtes propriétaire, vous allez mettre un an ou deux, surtout dans la situation actuelle, avant de vendre l'appartement, peut-être avec des pertes. Vous êtes locataire, la famille s'agrandit, eh bien, c'est pas bien grave, vous déménagez, et si vous pouvez, certes, vous prenez un peu plus grand. Ah, ben, si vous êtes propriétaire, la famille s'agrandit, ça va être compliqué si on peut pas revendre parce que le marché s'est écroulé. Je veux dire, toutes ces histoires, ça a aussi des impacts très importants, par exemple, sur la démographie en France. Et puis, franchement, il vaut mieux louer un 60 mètres carrés dans le centre d'une ville qu'avoir acheté un 30 m carrés au fin fond d'une banlieue. Et puis, il faut remettre les choses en perspective. Hein, juste après la guerre, il n'y avait même pas 40% de propriétaires. Là, on est presque à 60% actuellement. Mais tout ça, voilà, ça se construit, on essaie de mettre ça dans la tête des gens. On présente toujours une solution comme parfaite et l'autre comme imparfaite. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, ça s'illustre très bien quand on fait des comparaisons internationales. Regardez ce graphique, il est très étonnant. On y voit la proportion de propriétaires en bleu et de locataires en orange dans beaucoup de pays sur la planète. Qu'est-ce qu'on constate sur les nations de propriétaires ben, l'Albanie, la Roumanie, Chine, la Pologne, l'Inde. On voit que la propriété, c'est souvent quelque chose pour des pays qui ne sont pas très développés. A contrario, quels sont les pays qui ont le moins de propriétaires On a la France avec 65%, mais après, voilà, moins que nous, il y a la Suède, il y a le Japon, il y a le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne avec 45% de propriétaires, et la Suisse a le record avec 43% de propriétaires. Je n'ai pas entendu dire que les Suisses étaient très malheureux d'être locataires plutôt que propriétaires. Et on a vu dans la simulation, ça peut être financièrement assez intéressant d'être locataire, parfois plus que d'être propriétaire. Quand c'est moins, il n'y a pas forcément beaucoup d'écart entre propriétaire et locataire aussi comme on a vu. À contrario, on a beaucoup parlé des aspects financiers mais bon, il est vrai aussi que pour la résidence principale, et eh bien un appartement, c'est aussi parfois un coup de cœur, c'est là où on va passer beaucoup d'années de sa vie, parfois les meilleures. Dans ces conditions, on peut accepter finalement d'avoir fait un investissement un peu moins intéressant en ayant acheté l'appartement, mais en tout cas, on s'est fait plaisir, on est bien dedans, c'est pas très très grave non plus, il faut pas être fixé que sur l'aspect financier. Ce qu'on a voulu, c'est simplement vous alerter, hein. on vous dire faites attention, calculez bien et puis puis, comprenez la situation avant d'investir ou de ne pas investir. Nous ici on touche pas de commission, hein. que vous achetiez, que vous achetiez pas, c'est pareil, c'est pas notre problème. Notre problème c'est de vous donner une information pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et que vous ne disiez pas dans 20 ans, ça alors on m'aurait dit que je finirais ruiné parce que j'ai acheté un appartement, j'y aurais jamais cru. D'ailleurs, si vous avez eu des expériences personnelles où ça s'est mal passé à cause de problèmes personnels, vous avez dû revendre une mutation, des problèmes autres, un appartement qui s'est révélé très mauvais, Laissez-nous en commentaire la description de ce qui vous est arrivé. Ce sera intéressant parce que justement on pourra comprendre, voir des situations vécues dont les grands journaux ne nous parleront jamais. D'une façon générale, nos conseils de prudence ne s'appliquent pas qu'à l'immobilier. Hein. C'est la même chose sur les autres investissements financiers. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver les mêmes qui vont vous dire que bah, c'est le bon moment d'investir en bourse. Ou pas! Non. Voilà, si vous avez d'autres idées, de vidéos que vous aimeriez voir, de thèmes à aborder, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, comme vous le voyez, on les lit, on essaie d'y répondre du mieux possible. Mais pour cela, votre soutien est indispensable. N'hésitez pas à vous abonner au site Lucide. C'est ce qui permet de garantir notre indépendance, de faire passer vos intérêts avant ceux d'obscurs intermédiaires ou d'actionnaires milliardaires. Et n'oubliez pas, 2023, c'est le moment de s'informer.